Ouais, allô? Ouais, t'as reçu la photo? Espèce de jalouse. T'es avec Jess? Ok, vous avez des nouvelles de Morgane ou pas? Ouais, on verra. Non, même pas trop mignon, il m'a laissé un mot et tout, de quoi décorer, donc ouais, c'est vraiment cool. Ah, et vous pensez en avoir pour combien de temps à peu près? Ok, bah c'est nickel, ça me laisse le temps de tout préparer, tout ça, donc c'est parfait. Ouais, vas-y, je te fais un bisou. Ciao. Sometimes I light a cigarette to throw away my care. But when I'm finished lighting it, the ash leaves me impaired. I've been so bad for so long, and it's showing on my mind. The chaos is in control, and I am having a good time. Prépare après. J'ai le temps. Mais au fait, t'as vu qui c'était? Non, mais je me suis demandé si c'était pas David. Il m'a dit qu'il avait une soirée pour Halloween. Mais j'avoue que la scène était chelou quand même. Hein. Ouais. En tout cas, faudra lui dire que t'as cassé son assiette. Hein. Oh, ça va. Et en parlant de ça, vous avez des nouvelles de Morgane? Ouais, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas venir. Tant pis, ça fera plus de vin pour nous. C'est clair.
mon avis, franchement, t'aurais pu mieux faire avec le vin. Mais bon, elle est cool, la cave. Mmh. Ouais, c'était pas mal l'idée de lui demander l'appartement. Ouais, je sais, je sais. T'es sérieuse, j'ai sûrement dû déborder. Tu vois son rouge à lèvres? C'est quoi? C'est le framboise, il est super naturel. Laisse voir, laisse voir. Tu remets que l'autre pétasse qu'on a croisé au lycée, hein. Qui, la copine Eric? La pute là qui se tape tous les mecs et qui sait même pas mettre de rouge à lèvres. Non, faites pas les jalouses, faut avouer, elle est pas mal. Quoi, tu serais pas devenue un peu lesbienne, toi? T'aimerais bien, hein? Ouais. Tu peux me passer mon verre, s'il te plaît? Ouais. Merci. Sinon, on n'allait pas voir des films, les filles? Ouais, j'ai vu en haut, il y avait des films plutôt pas mal, hein. J'ai une meilleure idée. Quoi? Vous connaissez les légendes urbaines? Les histoires qu'on raconte pour faire peur. Hey Jess, tu m'entends? C'est ça ton idée géniale? Bah, franchement, je préfère avoir un film. Hein. Après, pourquoi t'as peur? Allez! Allez, c'est bon, faut pas ta tapette. Bah, franchement, j'aime pas trop les trucs comme ça. Ça me fait flipper. J'en connais quelques-unes, mais bon, j'aime pas trop en parler. C'est bon, on entre. Allez, Jess! Allez. Bon, ok. Y a Bloody Mary. Vous connaissez? Comme dans Candyman, dans le film. Ah, la meuf, tu dis trois fois devant le miroir Bloody Mary, le lendemain tu te réveilles, t'as plus de cheveux. C'est pas du tout ça, sérieux. En fait, tu dis trois fois Bloody Mary devant un miroir sans fermer les yeux, et elle vient derrière toi et elle te tue. Ah non, chaud. Vous y croyez? Bah moi, franchement, ça me fait flipper. Non mais moi, pas du tout. Oh là là. Je savais que vous allez faire les putes avec moi de toute façon. Oh, c'est bon. Ça arrive d'avoir peur. Hé, Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ça coûte cher ça? Bloody Mary. Oh, t'es vraiment une gueule. T'es sérieuse? C'est bon, rigole, tu crois vraiment? Bloody. Bon, vas-y, moi je vais. Oh, c'est bon, Jess. Mary. Mary. Oh, allez, Jess, c'est bon, reviens. C'est drôle, hein. Franchement, c'était pour me faire peur. Vous avez gagné, hein. C'est bon, hein. Thank you.
Ça y est, arrêtez vos cachotteries. Je déteste Halloween. Plus jamais je viendrai dans cet appart. C'est quoi ce bordel? Ali, Chloé. Allez.